Puis on sait qu'elle cherche beaucoup, elle ne trouve pas. Elle a beau chercher, elle est allée en Espagne. On a même été en Espagne, on n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé. Alors, Richard, Gilberte, le fan club. On s'est toutes concertées. Marcel, Alexis et moi-même. Nous avons décidé de lui offrir un petit cadeau. Si tu veux venir près de nous, Chantal. C'est bien, vraiment... Chantal. Bien. Donc, pour un cadeau de consolation, étant donné qu'on n'a pas trouvé un bel espagnol, peut-être l'année prochaine, un bel italien. On ne sait pas. Fait que... Ah ouais, c'est bien ça. Alors, je vais te demander, comme tout le monde désire vraiment le voir, ce petit cadeau, je vais te le donner, tu vas le prendre et le présenter à tout le monde. Et on te souhaite... Tiens, s'il te plaît. C'est un petit cadeau. C'est pas grand-chose. C'est tout simple. Mais on te demande simplement de le montrer. Non, prends-le. Parce que c'est fragile. Et surtout, veux-tu le montrer? Je vais le tenir, tu vas mettre ta main dedans. Allez, vas-y, tu le prends. Allez, vas-y. Va le chercher. Et puis tu le... Allez! S'il te plaît, Chantal. Il faut sortir le cadeau. Allez, il faut sortir le cadeau. Allez, on veut voir, voilà, les Chantal, gens, on veut le voir. C'est pour ses longues soirées. Veux-tu nous montrer ça de plein? Voilà, Chantal. Te voilà donc ça, réconfortée. C'est pour les longues nuits d'hiver. Quand tu vas t'ennuyer. Chantal, attention, ne la laisse pas descendre. Fais-la monter, plutôt. Oh, faut tenir ça comme ça. Oui. Parce que c'est pas un wall break, hein? C'est un Franck Olivier. Donc, tu mets ça sur ta table de nuit avec un petit peu d'eau là-dedans, là. Alors, quand t'as soif. Non, tu mets du jus d'orange dedans. Mais si c'est possible, alors voilà. Du lait de coco. On l'applaudit très fort, notre Chantal!